Je voulais encore nous dire, avec question et marche et président Kenya encore, puisque l'arrivée d'un point de temps, le Tapton et l'autre groupe manifestant qui t'a venu, et que plusieurs bonnes à pied, qui te donnent à propos de l'arrivée, et ça pour un point, ça pour existence, c'est là qu'on y a un militant eux-mêmes, Yomate, et tentative pour fermer le tribunal de paix. Est-ce que alors l'on dit tentative, ça y est fait, y'a voyé watch, et c'est peut-être ça que fait la police réagir, qui fait le bail gaz, pour qui ça la police? Effectivement, le groupe qui descend pour aller devant le tribunal là, il était lancé watch, et la police lui-même bail gaz lacrymogène. Et machine, parce que sous abgade à terre, m'de ouè sa matin, tout gampil, vite machine, mouèk te krasa, kout watch, ou pas fait constat ça, machine pas passé dans zone non. Non, il y a quelques véhicules qui passent. Mais ils n'ont pas parlé. Il y a tout qui a sorti en direction de en bas de l'aéroport. Lorsque ils arrivent au chauffeur, ils ont les yeux dans le café à l'aéroport. Et ils ont obligé d'entrer par Delma 17 pour sortir par Delma 19. Et Jean-Monard, nous avons encore d'autres militants. Nous avons Jean-Philippe Exil, qui est avec nous. Et c'est pas parole de Vive Haïti. Jean-Philippe, expliquez-moi, je t'ai présenté dans la loi, on marche et on est en et que nous saluons Jean-Mona, et puis nous saluons tout auditeur, auditeur de Radio Caraïbio, sont arrivés. Mais néanmoins, tu sortis, et dans le moment ça, sorti pour moi des journaux, Louis Baïdalon. Mais nous-mêmes, nous sortis aujourd'hui pour nous faire un travail tout à fait spécifique ou spécial. Ce qui s'allie. C'est venu identifier les éléments du système et puis démasquer eux. Qui ça nous veut dire par là? Par exemple, et n'a pas les systèmes, Jovenel Moïse n'a pas les systèmes tout. Là, on amalgame. Si nous ne pas arriver à décanter le système Jovenel Moïse, des systèmes pas noirs, et bien ça ne va pas passer pour nous. À tout, on n'a pas les systèmes. Non, ce n'est pas ça lié. Le système n'a pas les jodiens, le système, il faut des négos arrangés par la complicité des trois pouvoirs. Et on va ranger eux, je jouis de toute impunité, je dilapide 4 milliards des familles. Mais pour le système qu'on a parlé, le système n'a pas parlé. Et donc, oui, la fermé, mais laissez-nous identifier mon lieu et démasquer mon lieu. Parce que l'ennemi du système pour identifier quelques éléments dans le système. Pour que la République là reconnaisse mon capteur au civique, mon capteur au tour dans la République. Mais ça nous veut dire nous. Donc, il dit la vie de 4 milliards et 100 millions. Et maintenant, tout le monde cap pense bien et connaît et que la corruption, c'est sous l'instabilité et de criminalité qui est liée. Qui ça n'est que fait? On a sali une campagne pour revendiquer, vous demandez 4 milliards et 100 millions, vous massacrez. On a bouffé une campagne, vous avez dit 4 milliards et 100 millions, vous pisillez. Militants campés pour manifester pour des 4 milliards et 100 millions perdus, je tire par pile et par paquet. Et nous avons besoin de monde, c'est pour Evan Paul, c'est pour Joseph Pierre-Louis, c'est pour Evan Paul, c'est pour Des Roches, c'est pour Karine Seulement, c'est pour Wilson Lalo, grand professeur qui a pensé, calculé et grand économie, comment vous voulez les 4 milliards et 100 millions, je ne vais pas demander de aller. Je dis, c'est vraiment des conditions de vie changer parce que le système n'a arrivé à terme, parce que le système n'a déchu, parce que le système n'a démodé, parce que le système n'a là trop longtemps. Il y a des facteurs dans nos bagages, dans le pays, et bien, nous n'y avons des dialogues. Dans le pays, dans le pays, dans le pays, et bien, question ça, nous prenons la vie d'identifier vos les salles, la vie démasquer vos les salles, parce que les grands mots, les grands remèdes, les grands mots, les grands remèdes, parce que Haïti, quel gagner avec corruption pour nous sauver Haïti, pour que nous démasquer corrupteurs, pour que nous démasquer dilapidateurs, pour que nous démasquer piégeurs. Et bon, Paul Catherine, pas de plastique, je dis bien lui, pas de plastique, le vol en salle, pas de plastique. Définit, c'est fini, c'est fini. Je vous remercie de la technique.
Je me lance que vous entendez, et c'est porte-parole de Viva Haïti. Et dans mon moment, caoutchouc a coulé, et puis des barricades qui continuent à ériger cette devant sous-commissariat qui n'a qu'à fond à l'époque-là. Nous pensons qu'on y a les transformer. C'est pas le même mouvement enseignant ou encore. Et nous soulignons que, mesdames, tout côté appui, nous bataille qu'à fait là, nous avons avec nous une militante qui va identifier de présence. Bonsoir, Jean-Marc. Non pas moi, c'est Pierre Micheline, nous, coordinatrice générale, fonction capitaine pour l'autre Haïti. Je dis à nous, Malawiya, nous venons accompagner élèves d'école. Nous venons accompagner le peuple là. Nous venons accompagner tout le monde qui pense que le pays n'a pas marché. Tout le monde qui pense que le pays a une situation déplorable. Eh bien, nous sommes ça. Jean-Marc, nous avons profité d'utiliser le micro Caraïbe pour envoyer un appel à l'artiste, pour nous dire à l'artiste comme ça. Nous comptons le rejoindre dans la bataille. Mais attention, parce que nous-mêmes, peuple là, nous avons eu depuis longtemps la bouffée. Nous pouvons faire boire des caisses, nous pouvons faire des DJs, nous pouvons faire la bataille, nous pouvons marcher avec Wall, puis avec Kylian, sans capacité déjà. Parce que nous avons un moment de révolution liée. On est pas de la demander 4 matchs, on est pas de la demander comme des journalistes ou des journalistes qui génèrent la solution. Nous avons demandé à la raison, nous avons demandé pour faire des vocalités. Et puis, nous avons demandé pour le système de changer. Mais nous sommes là, nous sommes avec la discussion. Je nous demande manifester, je nous demande mobiliser dans la rue, c'est pour ça la sécurité. Nous parlons de ça. Premièrement, nous parlons de ça. Nous avons dit que nous sommes là, 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 et bien nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Et tant pis, nous parlons de questions avec personne monde, nous parlons de lutte peuple. En retard, alors sauf ça, nous disons attention, attention avec notre peuple. Merci Caraïbe pour l'opportunité de vous soutenir. Moi-même, c'est l'inconvénient d'expliquer, avocat, professeur et représentant de la ville peuple, une organisation de l'opposition. Je dis, c'est et c'est parce que, en quelque sorte, j'appelle les meilleurs en situation qui est vraiment, eh bien, atroce, une situation qui est vraiment difficile. On dit que j'ai là, eh bien, l'école n'est pas qu'à ouvrir. Ça veut dire aucune institution qui a fonctionné dans ce pays, j'en dis là. À cause, eh bien, de la présence, mais c'est la Moïse qui est impliqué depuis la tête de son investissement dans ce pays. Et c'est pour la première fois de l'histoire ici. Que nous d'ailleurs, comme président au sujet civil, on s'y va au plus de toute l'histoire de ce pays. Parce que nous sommes au niveau de la guerre. Nous demandons, et bien, de manière immédiate, la démission de Jovenel et sur la législation. Car je ne sais pas ce que, et bien, il s'agit de démissionner et que vous allez. Donc, moi, ça ne dit plus pas. Et nous demandons également, nous avons un système, parce que le système que nous avons aujourd'hui, c'est un système de colonial, un système sédateur, et bien, qui n'a pas aucune. Pour la jeunesse haïtienne. Et la jeunesse est debout aujourd'hui, elle est prête, elle est finie avec le système, et le système arrive à participer. Nous sommes dans le feu, nous sommes dans l'avion, et nous sommes protégés pour nous, à la élève, car ce n'est pas le bien, nous ne sommes pas de prendre la tradition et la responsabilité de nous. Voilà, nous sommes dans le feu, et nous pouvons profiter d'un système que tu nous as offert aujourd'hui. On dit au niveau de la pour l'instant, pour la santé et derrière, nous avons remarqué la présence du côté de la RAIO qui tape, qui est en train de en militant avec la police devant le tribunal de PA. Et c'est ça qu'a fait la route de la République. Je l'ai
radio, on dit d'abord au tribunal là, sur une situation de panique, machine OBG a fait café personnel, machine OBG a café personnel chaque fois que l'on arrivait au niveau de l'État et aéroport. D'accord. Merci Jean-Paul. N'a prêté en contact. N'a prêté en contact. Merci. Merci. Infiniment. Alors, en pile situation. Et même si Port-au-Prince, nous, ouais, on t'y ouverture tout petit. Et ingénieur Ousmane Pradel, qui t'a décrit nos situations qui a passé dans la ville Jacques Mel. Et tout à l'heure, nous pourrons aller venir sur ça. Oui, alors, on t'a dit même si. Quand on dit ouverture, n'a pas tout prince, tant qu'on est circulation, mais province là, bagaille, red. Par exemple, mes députés Manès Louis, bon, je suis au courant, puisque je suis des amis qui ont essayé de faire le Nord hier, c'était matériellement impossible, et maintenant là, je vais regarder avec photo que député Manès Louis et Cabaret voyez ben non difficile j'en moi avec une série de conteneurs nèg yo en panne caoutchouc et yo mettez yo en quoi dans rentrer à Cabaret pas gain moyen passage du tout et nous t'a expliqué mes aventures collaborateur de Pierre Renel René qui t'a parlé dans funérailles papa li. Oui, dans le sud, nous avons été arrivés, monsieur manqué, perdu la ville. Donc, bagayo, macaron, même si vous avez des fois, gonti, Port-au-Prince ou Cafonti, sous Keko, même si après c'est courir, rentrer, tant que là, il y a un côté, pile côté, m'a des wash, moi, j'aime passer sous Delma, tout en dedans, moi, caoutchouc. Il lève l'école, il faut la police gérer ça. En pile gaz, en pile gaz. Mais depuis que je suis descendu, je me dis que je ne vais pas comprendre. L'école ferme et puis autant de bureaux, quelques bureaux ouvrés, je vais le fermer, je vais le faire. Si je te dis ça, donc je suis en train de causer ça. Et en pile machine, je prends un coup de wash dans le cafou. Dans le cas aéroport, alors vraiment en pile prudence et en pile prudence. Et, oui. Alors, hier, en pile mon encore dehors, vous avez image, vous avez photo, je vais regarder sur Télé Caraïbes là, en pile mon. Et puis, mon cap parle de. Cap dénoncer violence, mes amis, ça nous sommes regarder Chili. Santiago, c'est pas des. Moi, nous n'avons pas joué du tout. Oui. Non, c'est bagaille énorme. Nous ne pas dire que nous avons fait ça ici. Mais nous avons dit, où est-ce que nous avons parlé là? Attendez, où est-ce que nous avons parlé dans le micro, Jean-Paul lundi là? L'idée est que nous avons dit pile dans la manifestation hier là, dans la marche là. Yo di c'est vrai artiste yo pour ton belle contribution puisque yo mettant pile moun dehors avec animation aussi. Oui, mais cependant yo même yo pa vle bagay la semble ti bagay et tant que moun vinani amuser yo même qui te yo prend devant pour yo régler cause yo parce que Jovenel Moïse yo di ou te met 1 million moun dehors et soudainement a monté depuis nous passer doucement nous descend. Ça va pas dire rien, la prête pirette, non. Il y a besoin, bagaille là, on l'a tourné. Et c'est ça, pour merci, Evans Brian. Merci, Waklotou, pour information. Haïti, les gens viennent du carnaval. D'accord, non, n'est-ce pas, il y a un carnaval. Il y a viennent par là, Jovenel, pour laguer pied, mais cependant, mon yo. Par aimer j'en fait là quand dit Moïse qui aimer dit il faut qu'on petit piment selon eux-mêmes alors et oui alors en nous tourner dans l'autre notre l'église là parce que l'église oui, c'est vrai c'est alors on dit l'église catholique mais l'église invitée on pas dans l'église non on parle hier on parle de pour demain et l'église là il dit on a invité tout le monde par l'église alors non il dit Dieu voit la souffrance de son peuple, il entend les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car il connaît ses douleurs. C'est ensuite à notre dernier message en date du lundi 30 septembre 2019,
où nous avons clairement uni notre voix à celle de tous les secteurs clés de la nation, à ceux et celles qui refusent la corruption, les gains faciles, la contrebande, pour exiger de nos dirigeants de tirer les conséquences de leurs inconséquences en faisant preuve de sagesse et en écoutant la voix du peuple qui est la voix de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Vox Populi, Vox Dei. Considérant aujourd'hui la crise humanitaire, faut nous tourner sur la crise humanitaire. C'est sur ça que nous allons aller. Considérant la crise humanitaire sans précédent dans laquelle le pays est en train de basculer, considérant qu'elle est la résultante d'une crise beaucoup plus profonde, touchant les fondements même de notre vivre ensemble dans ses dimensions politiques, économiques, sociales et religieuses, considérant la faillite totale de nos institutions républicaines, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et la responsabilité de nos élites politiques, intellectuelles et économiques dans le pourrissement de la situation, nous, religieux et religieuses, issus des entrailles du peuple, conscients, conscientes de notre mission comme consacrés, missionnaires et envoyés, surtout en ce mois missionnaire,